un jus où il a un doute si sa bracha elle est bourrée à Geffen. Oh, donc bourrée à Geffen au début et à la Geffen à la fin. À la Geffen, là c'est la Kavana du Rama, c'est à la Geffen. Oh, bourrée nefashot, quelle bracha il doit faire à la fin? Lo yuchal davar shebirkato bourrée nefashot rabot, ve davar shebikarto aet vichla limo gamken à la Geffen, bien appelé à Geffen, ni sa fek. Il ne pourra pas engendrer, englober ça hein, et de faire bracha chona, de manger quelque chose d'autre qui est bourré nefashot et ça, et englober là, et faire bourré nefashot et dire bon, où la bracha elle veut, elle sera acquittée. Ok, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bu ce jus-là, j'ai bu 86 millilitres de ce jus-là. Maintenant, j'ai à savoir que si ce jus-là c'est un jus de raisin ou c'est un vrai jus de raisin ou un faux jus de raisin. Qu'est-ce que je fais à côté? Je bois un verre d'eau. Aussi la quantité qu'il faut pour faire la bracha chona. Je fais à la Geffen Valpera, et je fais à la mairie à la Kakala et j'englobe dedans à la Geffen Valpera Geffen. À côté, je fais bourrer Nefashot parce que j'ai bu un verre d'eau aussi. Et je dis, si ce jus de raisin, ce fameux jus de raisin, je ne sais pas si c'est vrai un jus de raisin ou pas, c'était du jus de raisin, il est acquitté par ma bracha de à la Geffen Valpera Geffen. Si ce n'était pas du jus de raisin, ça, je n'ai pas le droit de faire. Quelqu'un qui a fait la bracha de à la mairie à la place de faire une bracha, une autre bracha, par exemple. Si quelqu'un il a fait à la mechia, il s'est trompé sur du vin ou sur des dattes ou sur du riz, qu'est-ce qu'on doit faire sur du riz? Bourrée nefashot. Qu'est-ce qu'on doit faire sur du vin? À la Geffen Valpera Geffen. Qu'est-ce qu'on doit faire sur des tamarim, sur des dattes? À la Etz Valpera Etz. Et lui il s'est trompé, il a fait à la mechia, à la kalkala, à la tenuvata, à la tachem, à la Etz, à la kalkala. Je me suis trompé, c'était pas ça la bracha, c'était à la Etz, bourrée nefashot. Bedi Avad, a fortiori, il a acquitté. Pourquoi il a acquitté? Parce que la tamar, la date, le jus de, le vin et le orez, c'est des choses qui sont mésines, c'est des choses qui nourrissent. Ok? Donc, étant donné que c'est des choses qui nourrissent, quand j'ai fait ma bracha de la mairie à la Kalkela, j'ai pas menti dans ma bracha. J'ai fait la bracha plus ou moins qui était appropriée. Donc, je suis acquitté. Par contre, si j'ai fait à la mairie sur des pommes de terre, sur des carottes, je suis pas acquitté. Je dois refaire. Quelqu'un qui a fait à la place du birkat Amazon, à la mechia avec Alcala, qu'est-ce qu'on a dit? Mais d'après le Shulchan Aruch, on doit refaire. Mais étant donné qu'on a un safek brachot laquel, ça balle, on a un safek brachot laquel, on devra pas refaire la bracha. Si quelqu'un ne sait pas, on a dit, si quelqu'un ne sait pas faire Birkat Amazon, il ne pourra pas faire à la place à la mairie à Makalka. C'est plus court, c'est plus facile, ça va plus vite. Prends un livre, prends le temps qu'il te faut, tu fais. Quelqu'un qui a mangé une demi-zaït, il a mangé 15 grammes de pain. Et il a mangé 15 grammes de maisonnat. Ok, qu'est-ce qu'il fait comme bracha chona? J'ai mangé 15 grammes de pain au chocolat et 15 grammes de baguette. 15 grammes, c'est rien. On a dit 30 grammes. 30 grammes, ça te fait. Tu dois faire Birkat Amazon. Je pense qu'on fait Birkat Amazon. On fait rien, aucune bracha. Ça ne s'associe pas. Ça, c'est Maisonot et ça, c'est Adama. Ok. Si j'ai mélangé l'essence avec de l'huile, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, la voiture, elle va peut-être commencer la première fois, mais après, le moteur, il va avoir un problème. Ouais. Ok. Ah, si j'ai pris un antibiotique avec de l'alcool, et je marche plus moi non plus après. Il y aura un petit problème. La même chose, ça ne s'associe pas, donc on ne fait pas bracha. Mais Ezrat Hashem, la semaine prochaine, on n'a pas terminé. Il reste le Seifiotret à terminer au niveau des commentaires. Et on terminera. Bon, Adonai, il est là, même.